Alors l'atelier Design Thinking, le Sprint Design, correspond finalement à la mise en pratique de nos valeurs, des valeurs d'Excellia, des valeurs phares comme le P de partage, humanisme, audace, responsabilité et engagement. En effet, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est un pilier de l'école depuis sa création il y a 30 ans dans une ville qui a créé les voies piétonnes, qui a inventé les vélos en libre-service et les véhicules électriques en libre-service. La RSE est très importante pour nous depuis la création de cette école. Et donc, au travers de cet atelier Design Thinking, ils vont mettre en pratique l'humanisme, le partage, le travail collaboratif, l'audace, puisqu'il faut sortir du cadre et inventer de nouvelles solutions. Et la crise que l'on traverse actuellement, notamment dans notre école de tourisme, nos entreprises attendent que nos étudiants sortent du cadre. Et puis bien sûr, la responsabilité et l'engagement qui sont les fondamentaux du travail collaboratif que j'attends de nos étudiants. Au cours de 3 jours, les étudiants Excellia à La Rochelle ont travaillé sur un design sprint, design thinking sprint, et ont eu 2 apprentissages majeurs. Le premier apprentissage était la méthode, l'approche du design thinking, qui est une approche centrée utilisateur. Le deuxième apprentissage, très important, c'est le travail en équipe, avec des méthodes collaboratives, extrêmement important car de plus en plus demandé en entreprise. Et le challenge qui a été soumis aux étudiants cette année a été un challenge tourné autour de leur thématique qui est l'hôtellerie et le tourisme. Et ce challenge était l'accueil des étudiants et notamment des étudiants étrangers. Donc les étudiants ici au cours du design sprint de 3 jours ont pu réaliser des prototypes qu'ils ont testés, qu'ils ont raffinés par itération et sont aboutis à des solutions innovantes. Et on espère qu'elles seront bien appliquées au sein de l'école. Donc cette expérience était vraiment super enrichissante. On a appris beaucoup de choses, notamment travailler en groupe. C'est super important pour notre futur, pour travailler en groupe, en entreprise, travailler avec des gens, des équipes, comprendre les gens, accepter leurs idées, etc. Donc c'est vraiment assez intéressant. Et ça a été avec des méthodes super ludiques. On a fait plein de jeux, plein de trucs de passage d'énergie et tout ça. On a pu rigoler tous ensemble et je pense que ça crée des liens et c'est super important. Voilà, déjà ça crée des liens au sein d'une même équipe. Donc c'est ça qui fait qu'on produit un travail de qualité. Et donc vraiment une expérience à reproduire. Ouais.